Je vais vous prendre un aller simple pour Bellevue, s'il vous plaît. Ah, super. Ça fait le touriste, on va la refaire. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Ben merci beaucoup. Bonne rando. Merci beaucoup. Bonne journée. Allez, c'est parti. Ascension du Mont Blanc, jour 1. On vient de prendre le téléphérique de Bellevue qui nous a lâché à 1800 mètres. Il y a déjà une très belle vue derrière moi. Là, l'objectif, c'est d'arriver jusqu'au Nid d'Aigle. On va y être d'ici 2 heures. Et puis ensuite, d'atteindre le refuge du Goûter pour y passer la nuit à 3800 mètres d'altitude. Là, c'est déjà de la bonne rando. J'ai un sac qui est relativement lourd. Et puis surtout, des chaussures qui pèsent un âne mort, j'ai l'impression. Allez, let's go! Le tramway du Mont Blanc qui est censé nous emmener jusqu'au Nid d'Aigle est fermé. Donc on se retrouve obligé de longer cette voie de chemin de fer. J'ai l'impression d'être dans un vieux western là. Hé, étranger devant! Qu'est-ce que tu fous sur mon territoire? On arrive où, Baptiste, là? Au sommet du sommet du Mont Blanc. Ah, voilà. Je me suis emmêlé. C'est quoi? C'est bon. Du coup, tu me disais? On arrive au Nid d'Aigle. Au Nid d'Aigle? Regarde là-haut. Ouais. Tu vois la navette spatiale, là, sur la crête? Ah, c'est le refuge du Goûter. C'est le refuge du Goûter. Incroyable. C'est là où on va. Ça va, c'est proche? Non. Je vous cache pas que là, j'en bave déjà. On arrive bientôt à 3000 mètres d'altitude. Il y a déjà le souffle qui se fait court, le poids du sac. J'ai l'impression de monter des escaliers interminables. Oh la vache! Refuge de Tétrousse. Je suis éclaté. Allez, changement d'ambiance. On s'est équipé. On a mis les crampons, les Gore-Tex, parce qu'il pleut un petit peu. Et puis là, on attaque. On s'est encordé. On arrive dans le couloir du Goûter, un couloir assez dangereux. Ok Baptiste, couloir du Goûter, c'est quoi sa réputation? C'est un couloir quoi, donc un couloir en montagne, ça concentre les chutes de pierres. Et là-haut, il y a pas mal de pierres qui veulent bouger, et puis bon, bah comme on le traverse intégralement, tu vois, le tracé est là, bah forcément on est exposé pendant la traversée. D'accord. C'est un des moments les plus risqués du Mont Blanc. Donc là, les consignes, on traverse vite.
Là, on s'est organisé avec Philippe, l'autre guide. Moi, je surveille le couloir. Et on trace. Eux, ils font attention à ne pas s'en mêler les pinceaux et ils avancent rapidement. Voilà. Okay. Une fois qu'ils seront en face, on fera la même chose avec eux. C'est toujours l'orage. Hein. Ok Philippe, on y va. Allez. Allez, je regarde mes pieds. Allez Antoine, on est parti. Ouais, attends. Ouais, ouais, mais tu vas vite aussi. Du grand pas. Ouais, ouais. Ah, nickel. Merci. Baptiste, moi je pensais que ça serait un petit peu plus facile que ça. Non, un peu plus difficile. Un peu plus difficile. Bon, laisse-moi me concentrer. Ah. Les gens s'attendent rarement à ce que cette partie un peu grimpante dans le Mont Blanc. Et là, c'est, ouais, c'est, on est à la verticale là quand même. Hein. Bah ouais, tu vois, la rapidité en fait, c'est pas. En fait, on la fait souvent de nuit, donc on s'en rend pas compte. Ah ouais. De nuit. Mais dis-toi que nous, on descend par le même chemin. Oh yes. Incroyable. C'est important, vas-y. Un 4 pattes. Attends, ça passe. Putain, le souffle. J'entends l'orage en plus. Ouais, mais j'aime bien. Ouais. Je trouve ça plus facile, plus moins fatigant. Ça va être un peu plus déroulant, regarde. Et voilà, on arrive au refuge du goûter. Je suis pas mécontent d'arriver. La forme, ça va. Les jambes, ça va à peu près. Le moral, il est nickel. Baptiste, il est top aussi. Et là, franchement, j'ai l'impression d'être au paradis, quoi. C'est peut-être comme ça au paradis, ouais. Et ouais. Peut-être. Et évidemment que c'est comme ça au paradis. Bienvenue. Oh waouh. Qu'est-ce qu'il y a comme autocollant ici? Ça sent un magasin de ski. Ça sent l'yette, hein. Super. Classe. Ah. Bon, moi je vais vous dire un truc. Je suis content d'être arrivé. On va enlever les crampons. On va mettre des magnifiques Crocs.
Il y en a plein et je peux vous dire que j'en ai jamais mis de ma vie. J'ai toujours trouvé ça horrible. Mais là, je crois que je vais les apprécier. Ces Crocs. Oh là là, celle-là, elle m'a l'air pas mal du tout. Si je pouvais en trouver une autre du même acabit, ça serait vraiment parfait. Bah, je suis pas mécontent d'être arrivé au refuge. Bonjour. Allez. Bon allez, je vais aller chercher ma chambre. Je suis au troisième étage. Dortoir à Belle Albert 1er. Encore quelques marches à monter. Puis on va pouvoir aller dîner et faire un gros dodo. Bon bah voilà, on a terminé de dîner. C'était assez bon, assez copieux. En entrée, on a une petite soupe avec un petit bout de fromage. Ensuite, on a une petite salade tomate, salade verte et puis du chou rouge qui était très bonne pour les fibres, ça c'est excellent. On a mangé aussi une sorte de grosse lasagne de thon, de saumon avec plein de fromage. Ça pèse bien sur le bit, hein, mais tant mieux parce que il va falloir bien dormir. Et puis en dessert, on a eu c'était une petite tarte avec voilà, avec une sorte de gâteau assez moelleux avec une rondelle d'ananas dessus. On a mangé très tôt en fait parce que là on a terminé, il est 19h47 mais on s'est mis à table à 18h30. Et là en fait, je vois que je suis un petit peu à la masse pour aller dormir parce que demain on se réveille à 1h45 du matin. Pour partir ensuite sur les coups de 2h30, 3h en fait, max. On attendra le Mont Blanc sûrement aux alentours de 6h, 6h30, 7h si on traîne, enfin si je traîne. Mais voilà, en tout cas c'est une expérience assez incroyable. Là le fait d'être à 3800 mètres d'altitude, on le ressent un petit peu quand même parce que tout à l'heure j'ai voulu monter sur mon lit superposé. Bah déjà rien que ça, ça m'a essoufflé en fait. On a le souffle très court ici, et là, peut-être que vous l'entendez à ma voix, mais ouais, je suis... voilà quoi, on respire fort. En tout cas, il y a des paysages magnifiques. Bon, il est 1h45. Je vous cache pas que le réveil ça pique quand même, fortement. D'autant plus que j'ai pas dormi une seule minute. Mais je me suis bien reposé. Voilà, donc ça devrait le faire quoi. On va aller au petit-déj et puis on va essayer de mettre un pied devant l'autre. Thank you.
Bonjour, je vais prendre un thé s'il vous plaît. Bonjour, thé, café ? Un café. Merci beaucoup. Bonjour. Bon, bah on est arrivé à l'Abrivalo. C'est combien d'altitude, l'Abrivalo ? 4362 mètres. 4362 mètres. J'ai du mal à articuler là, il commence à faire un peu froid. Le jour se lève, les conditions sont top, on n'a pas de vent, il fait pas trop froid. Et le Mont Blanc est en vue. Écoute, j'ai le souffle court en vrai. Hein. C'est du sport. Ah, mais cette vue incroyable. J'ai hâte d'être en haut là. Tellement du bien un peu de plat. Thank you.
Ou alors, on a un trou comme ici. Je suis éclaté. C'est dans la tête. Ça y est ? Je suis mort. Je sais pas comment je vais faire pour descendre. Je suis trop content d'arriver. Il y a une vue de malade. Yes. Sommet. Bon, incroyable cette expérience là, c'est très long, très dur quand même pour une première ascension, mais franchement ça vaut le coup. Là sur les derniers mètres j'étais complètement cuit et je suis content d'être arrivé au sommet quand même, plus haut sommet d'Europe, 4812 mètres. Ouh, ça fait du bien.